Les garçons, ils se font leur petit chocolat chaud ce matin. Mais maman, ils ont mis du colorant dans Oh non! Les lutins, ils ont mis du colorant dans le lait. Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont du colorant dans les mains là-bas. Oh, les couillons! La bêtise des lutins, c'est du colorant dans le lait. Cupcakes, je vous prends. On est le jeudi 12 décembre, il est 7h57 et je vous emmène avec moi pour une nouvelle journée. C'est parti. Oh, j'ai trouvé. Ah, ok. Mais pourquoi ils ont bon, là, ils ouvrent la case 7 parce qu'on ouvre un petit peu les cases du retard. Comme ça, ils gardent la case 12 pour ce midi. J'ai presque failli péter. Et c'est quoi? Il y a quoi d'autre? À côté, il y a quoi? Oh waouh! Wow. Et toi? Toi, c'est les petites éditions Kinder, mais regardez le ventre, il y a un petit bonhomme de neige. Ouais, faut vraiment que je renlève le vernis, c'est dégueu. Et toi? Oh, un petit pingouin! Petit déjeuner, oui, j'ai allumé une petite bougie qui sent bon. Je me suis mis un petit peu de jus de pomme, j'ai du Stollen et les gâteaux fourrés à l'abricot si j'ai faim. Et je vais me poser devant ma série. Donc en mode gros caca avec Moumoun et encore faire des ronrons. C'est pas que quand je suis là-bas, du coup, elle me colle toute la journée celle-là. Hein, mon petit pot de glu. Et je vais regarder du coup boule sur Amazon, je pense, tout en checkant mes réseaux ce matin. Voilà, parce que je suis fatiguée, je me suis dit est-ce que je vais me coucher. Alors du coup, je me suis dit non, mais je me mets quand même dans le canapé, comme ça, si je m'endors, je suis dans le canapé, pas dans mon lit. Voilà, parce que j'ai pas vraiment encore dormi. Claqué. Je vous reprends, il va être midi et du coup les garçons sont rentrés, enfin j'ai été les chercher. Je suis en train de faire bouillir de l'eau, ce midi on va faire pâté saucisse. Hier ils ont bien mangé leur brocoli et tout, donc bon. Et moi je vais boire aujourd'hui du Monster Ultra Paradise, ça faisait longtemps. Et je pense à Samy quand je bois ça, parce qu'il m'avait dit que c'était sa Monster préf. Et il la trouve jamais, du coup je le nargue dès que j'en ai, en mode, mais j'en ai pas toi. Et voilà. Bon écoutez, je vais faire ça tranquillou. Qu'est-ce que je fais? J'envoie des Snoopy chats à ma mère aussi, parce que I love you mom. Et voilà. Du coup, les pâtes sont en train de cuire, je vais donc boire ma Monster, comme je disais, parce que du coup je l'ai pas fait. J'ai bibiche qui biche. C'est ma boulette. Je suis en train de m'entraîner à... Ouais, ouvrir ma canette à une main. On est génial ou pas? On est surtout de plus en plus accro à cette merde. J'aimerais bien aujourd'hui faire mes ongles, faire des photos, me maquiller. Ce serait cool que je me maquille et que je fasse un petit chat make-up. Je l'ai déjà dit. En fait, le truc du petit chat, c'est que je suis assise toute seule dans le silence et je vous parle toute seule à une caméra. Tu vois le délire ou pas? Et moi, quand je me maquille, j'aime bien mettre ma musique. Donc, je suis mitigée, partagée. Il faut que je le fasse. Je vais voir. J'ai mes ongles à faire aussi. Je ferai peut-être ça ce soir avec mon soeur, sans s'y prendre pas trop tard. Et voilà. Mais c'est ma boulette. Elle vient faire ça constamment. Elle vient sniffer mes cheveux. Elle passe ses pattes dedans et frotte sa tête sur mon crâne. Je sais pas pourquoi elle fait ça, mais c'est beaucoup trop mignon. Voilà. Tout le temps. Ce midi, je faisais des petites pâtes et des saucisses. Et du coup, on s'est dit, bah, on a les pains hot dog, donc autant faire un petit sandwich hot dog. Les garçons, eux, ils font pas un hot dog traditionnel. Ils font vraiment plus un sandwich. C'est-à-dire, ils aiment bien rajouter un peu de salade, un peu de tomate, parfois des fromages. Ça dépend ce qu'on a. Et ketchup. Non, c'est du mauvais sens. On dirait un... Ah, bah non, c'est bon, il y a du bon sens. Juste la petite étiquette. Tiens, j'ai oublié l'étiquette. Ah non, mais ça va détruire le cœur Kinder, je suis trop triste. Bon, c'est la vie. Un, deux, trois. Oh, t'as un pingouin. T'as montré là? Toi, avant un Père Noël.
voudrais avoir un Père Noël parce que ils ça sont trop mignons. Attendez, parce que là, je vous reprends encore une fois, sans avoir mis en pause ni rien. Je vous respecte qu'à moitié. Et elle aussi, c'est pas correct. Sœur, elle est en train de déballer des cadeaux. Des cadeaux. Des colis. C'est un peu comme si on déballait des cadeaux quand on déballe des colis. Mais sauf que, je sais pas, vous, ça vous fait ça, moi, quand je reçois des colis, j'ai l'impression que c'était gratuit. Alors qu'en fait, oui, j'ai dépensé mon argent pour vous ouvrir ces colis. Bref, on s'en fiche. Elle a reçu des colis. Donc, colissimo. Est-ce qu'on montre tout ou pas? Que, bah oui, en vrai. Surtout que aucun des deux personnes concernées ne regarde la chaîne. Non, parce que même si maman voit ça. Quelle blague! Je montre quoi en premier? Ça d'abord? Ouais. Ma soeur, elle a acheté. Attends, je montre par détail, c'est plus drôle. Des petits sacs à caca. Vraiment, j'adore ces phrases. La dernière fois, j'ai des sacs poubelles Hello Kitty. Là, elle a des rouleaux de sacs pour ramasser la merde des chats. Trop girly. Elle m'a dit, regarde, so coquette, so kawaii. Et du coup. Il y a le petit distributeur Nonos Rose, comme ça, regarde. Plus d'excuses pour pas faire les litières, parce qu'on est trop coquette quand on le fait. Non, mais en plus, on en a d'autres, des petits Nonos déjà. Bah oui, j'en ai un dans ma chambre, j'en ai un dans le frigo, parce qu'on s'en sert pas. En vrai, c'est grave bien, je trouve ça trop mimes. Et non, en fait, le fait qu'ils soient roses avec des petites patounes, j'adore. Ça m'a convaincue. Ils étaient quand même moins chers qu'à Action. Et vu qu'il n'y en a plus à Action, je me suis dit. Et moi, du coup, j'ai des sacs poubelles de Lucky Tip, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ma chambre. Ça n'a aucun sens. Et du coup, elle avait commandé d'autres trucs parce que ben, c'est Noël bientôt. Ah bon, quel scoop! Et du coup, il nous manquait encore des petits cadeaux. On n'a pas tout fini. Encore, il nous manque pour notre beau papa. Il nous manque pour notre daronne aussi un petit peu. Enfin, on en a, mais on n'a pas tout. Pour mon amoureux. Mon ref et ma belle-sœur aussi. Voilà. Mais on a à peu près bien avancé surtout, ok? Et du coup, mon beau-père et mon amoureux, c'est facile. Il faut leur acheter des chaussettes. Pas des caleçons si on est fancy. C'est vrai. Alors, en vrai, c'est souvent des vêtements parce que la dernière fois, c'était aussi un jogging. Ça, c'était une veste, un pantalon. On leur achète toujours des vêtements. En même temps, c'est ce qui servent le plus. Bah oui, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ouais, voilà. Tu sais, ouais. Ils disaient sinon, achète-moi un jeu, mais vu que tu connais pas mes goûts, tu vas pas pouvoir prendre des trucs qui me plaisent. Bah oui. Du coup, si tu veux acheter un jeu pour la console, en général, mon beau-père, quand il attend un jeu, bah, une fois qu'il est sorti, il va se le chercher parce qu'il l'attendait. Donc, du coup, il n'y a pas trop de facilité à faire. Donc, du coup, des chaussettes. Et nous, on adore les chaussettes de Noël. À chaque fois, et les trucs un peu kitsch, un peu. Là, vous voyez, il y a le Père Noël au bar avec un renne, quoi. Marqué, j'y crois, tu vois. C'est fou. Et là, alors là, les gars, je suis désolée, vous allez me donner votre avis, mais c'est des Pères Noël, ok, qui sont tirés dans un traîneau. Mais on est d'accord que ça, c'est ni un renne ni un ours, c'est un castor. Là, le Père Noël est tiré par un castor dans son traîneau. Refais le zoom comme t'avais fait, c'était bien. Regarde-moi ça. C'est un castor. En plus, avec mes ongles dégueulasses. Non, je suis désolée. Bah, elles sont grave kiki quand même. Donc ça, ce serait pour mon beau-papa, c'est ça? Oui. Et ça, du coup, ce serait pour l'homme. Le beau-frère, finalement, pour toi. Bah oui, parce que c'était censé être pour l'idée pour mon beau-père, mais ça ne lui servir à rien. Et mon beau-père, lui, bah, il va faire « Ah, c'est cool !» et voilà, c'est tout. En gros, ma soeur, elle a acheté ça. Parce que pour ceux qui débarquent, mon amoureux, il aime bien la bière. Okay. Et en fait, c'est une boîte. Et mon beau-père aussi, normalement, il aime la bière. Voilà, sauf que bah, une fois de temps en temps, on lui achète des bières avec des goûts dégueulasses, parce que c'est notre passion, lui faire boire des trucs pas bons. Une fois, j'ai pris une bière au sapin, une bière au nougat, une bière au chocolat. Je trouve ça a l'air immonde, hein. Mais je lui dis, ah, au moins, tu peux pas me dire que tu l'as déjà goûté. Après, elle est comme ça. Je sais pourquoi je l'avais pas goûté. Et du coup, bah, en fait, après, mon beau-père, s'il fait ça, il fait, ah, c'est bien, il va prendre la paire de chaussettes, et ça, bah, il va sûrement le jeter, ouais. Alors, c'est marrant, c'est une boîte. Alors que mon amoureux, tu lui offres ça même emballé dans un papier, il garde le papier. Enfin, en fait, vu que ça vient de toi ou enfin, de quelqu'un, tu vois, il est content, donc il garde le cadeau à part entière. Donc ça, au moins, on sait qu'il mettra dans la chambre, même pour mettre ses briquets et tout, enfin, même ses feuilles, j'en sais rien, bref, il peut ranger les trucs. On peut tout cacher là-dedans, putain. Alors, après, et du coup, mais Josette, c'est des petites bières. C'est excellent, parce qu'on a déjà une autre paire de chaussettes bières dans la chambre aussi, je pense. Oh là, j'ai toujours des chaussettes avec des bières. Mais après, ça dépend. Est-ce que celle-là restera dans celle-là ou l'autre paire de chaussettes? Bah, on verra si l'autre va bien avec ou pas. Mais l'autre, elle est bleu marine. Je sais pas, ça va pas être bizarre. Mais on va voir, ouais. Parce que du coup, Dia, il a pas de bière. Le Père Noël n'est pas en train de boire une bière là avec le... Mais j'avais l'idée de vouloir lui offrir des chaussettes bières. Mais sans ça, que j'ai aussi pris celle de Nos à la base. Parce que comme je disais, au pire des cas, on les a quand même. Enfin, bref, voilà. Les deux ont des chaussettes bières. Oui. Ce qu'il faut retenir, c'est des chaussettes bières et des sacs à caca rose.
voilà nos commandes parce qu'on est mature, intelligente et qu'on a grandi. Il y a un mug qui arrive avec mon frère, enfin pour mon frère, et au fond il y a ça. Tu l'as pris ? Oui. Je me suis bien préparée, par contre c'est horrible parce qu'il prend son café avec du sucre, il va pas pouvoir le douiller. C'est horrible pour le laver, vu que c'est au fond, tu peux pas le décoller. C'est génial. Donc c'est vraiment un cadeau de merde. Il faut savoir qu'il y a quand même un an. Puis c'est vraiment juste deux ans. Mon frère, il a offert ça en bougie à ma soeur. Donc vous voyez, c'est... Non mais même, tu vois, j'ai posté une story où je mangeais dans mon assiette à compartiment. Et Brandy m'a dit, oh oui, t'as grandi. J'ai des assiettes de princesse à compartiment, t'as grandi. En plus, elle est pas belle parce que ça elle est vraiment toute blanche. Ça me termine. Il faut que je finisse parce que du coup, j'ai fait un cendrier pour chat, mais il y a des taches de peinture partout. Il faut que je le rattrape et il faut que j'en fasse un pour mon frère. Donc en fait, là, il faut qu'on se déterre. On a des ongles à faire. Pas cet après-midi, ce soir. Pourquoi on fait toujours le soir alors que l'après-midi, on pourrait faire des trucs? Mais là, j'ai envie d'en faire, moi, des trucs. Moi, j'ai des photos. Par contre, est-ce que tu m'autorises à prendre des verres à whisky un jour, même si on n'en boit pas? Mais on n'a plus de verre à alcool, donc il faut qu'on fasse une... Oui, il faut qu'on fasse une... Ils sont pas trop géniaux. Ils sont géniaux. Il faut refaire une... Il y a ça, mais en version mug. Moi, je veux ça et je veux des verres à cocktail, genre comme ça, tu sais. À Martini. On... Because we're bad, bitch. Un bon gros fiac. Ah, celui-là, je le voulais. Et il y en avait un qui était encore mieux. Pas il doit être dans mon panier. Comme celui avec les boobs british. Bref, du coup, ouais, on voulait faire nos ongles, la poterie. Il y a ma coloration qui a toujours pas été faite. Pour tes cafés latte du matin. Non mais en fait, je suis pas sûre que ça... Je sais pas si ça supporte la chaleur du thé. C'est incroyable. Parce que moi j'ai pensé à bière et tout. Bon, je vais essayer de reposer des capsules en espérant ne pas refaire d'allergie ou de trucs bizarres. Sinon ça va me casser les couilles. Mais on est déter, on réessaye. En fait, j'ai réfléchi, ce qui m'arrive rarement. Mais là, je me suis dit, en fait, je devrais essayer de faire juste un ongle et voir comment c'est demain ou quoi, si ça me refait mal ou quoi, plutôt que de me reniquer tous les doigts d'un coup. Donc là, j'en fais un avec plusieurs catalysations et tout pour être sûr vraiment que, tu sais, je lui fais endurer des trucs comme je fais d'habitude. Et on verra bien ce que demain ça donne ou ouais, après-demain. Et voilà. Il est 17h16, je vais me lever parce que ma soeur l'a dit que je pue, il faut que j'aille me lever. En vrai, c'est parce que je voulais aller à la douche en première, mais elle m'a dit vraiment, j'en peux plus, allez, voulez-vous puer la merde? Non, c'est pas... Je rigole, mais elle m'a embêtée, elle me dit, vas-y, va te laver. Et après, je fais, oui, j'ai compris, je sais que je pue. Elle fait, non, mais c'est pas grave, mettez tout à brûler ou au lave-linge. Connasse. Bref, je vais me doucher. Désolé pour le bruit, il y a le radiateur parce que j'ai froid et j'aime bien qu'il y ait du chaud dans la salle de bain. Donc let's go, je vous reprends après quand j'aurai fait devoir des enfants. C'est vraiment ridicule d'avoir qu'un ongle. On se fait un petit thé avec Thésée. Moi, thé ananas. Lui, il m'a pris le petit thé fruits rouges de mon calendrier. Il faut savoir que Thésée est fan de thé aux fruits rouges. Mais mes deux thés préférés, moi, j'en bois pas d'autres. Je vais vous dire les deux thés que je bois. Sinon, je n'en bois aucun. Alors, moi, je bois que fruits rouges ou sinon, je bois menthe. Sinon, je bois rien d'autre. Non, t'en as oublié un. Ah. Maman, elle en avait un à la cerise et celui-là, tu l'adorais aussi. Oh! Celui-là il était super bon. Oh mais macaron framboise, oh, ça va pas passer. Ouais. J'avais pas aimé macaron framboise. De toute façon on en rachètera d'autres au salon de thé qu'on pourra. Oh oui, salon de thé, ah oh, oui. Oh ils font la meilleure du monde. Regardez comment Weasley elle est heureuse. C'est faux. Elle a très envie de s'en aller, on est de là. Mimi. Elle est crispée de fou. Coucou, je crois qu'il est 20h. Le montage est en ligne. Désolé du retard encore et encore. Hein. Je crois que cette année, les vlogmas, c'est pas fait pour être à l'heure. Au moins, vous avez quand même à peu près un par jour. C'est déjà ça. Mais il faut que je vous rappelle, je vous le dis là, mais je vous le redirai à temps venu. Mais je pars chez ma maman du coup du 23 au
au 28, je crois. Donc là, vous n'aurez pas les vlogs un par un. Parce que je pourrais pas faire le montage chez elle. Désolée. Du coup, je les posterai que en rentrant. Voilà. Et là, j'ai mis les enfants. Ça va être l'heure d'aller lire l'histoire. Ils sont dans leur chambre. Ils ont eu un petit temps calme. Je vais lire l'histoire avec eux. Et juste avant, je vais ouvrir mon calendrier de l'avant que je n'ai pas ouvert. On ouvre le 12. Et de Noël orange. Ça. Et celui-ci, du coup, il contient du thé noir de Chine, thé noir du Sri Lanka, arôme d'écorce d'orange et pétales de bleuet. Ok, pourquoi pas. Et on a le Kinder. Wow. Ah. Oui, c'est encore un petit œuf. Oh, un petit œuf. C'est orange, je les aime pas, moi. Ils sont tout chocolatés. En vrai, il était grave bien, mais on s'est fait avoir par le fait qu'il y avait des Kinder Kundry et un Kinder Bueno. Parce qu'en fait, les petits œufs comme ça, on ne sait pas ce qu'on préfère, il y en a quand même 10 dedans. Ouais. En toute sincérité, je trouve nul à chez la preuve, je ne mange même pas mes trucs. Ouais, d'habitude, on est hypé de ouf. Bah, la preuve, c'est que je les ouvre à la fin de la journée aussi. Puis oui, bah regarde celui d'aujourd'hui. Donc le 12. Ouais, il y en a plein qui sont encore dedans. Ouais. Un peu déçu, c'est vrai. J'avoue, juste à 2h24 et... J'ai envie de tout arrêter et juste bouffer mes Kinder Country. Et il y a les Kinder Country. Après, j'aime bien les petits cœurs. Les chocobons, ça va. Mais en fait, c'est ces œufs-là. En fait, ça aurait été bien qu'il y ait limite des petits Kinder. Tu sais, quand les enfants, ils ont à deux bosses, là. Ouais. Juste, ça aurait été... Rien que ça, ça aurait été mieux des Kinder classiques plutôt que les petits œufs. Enfin, ou à la rigueur, tu vois qu'il y a 5 petits œufs, ça va. Mais là, ça fait beaucoup de petits œufs. En fait, c'est vrai qu'on a lu 5-5, on s'est dit ça va, mais on a l'impression de manger que ceux-là. Le vert, j'aime bien, mais j'aime pas l'orange. Oui, j'y suis encore en 10. Bon, je vais aller lire l'histoire et du coup, bah. Oh, sœur ! Quoi ? Je te le donne, regarde. Merci. Je remets lui là, du coup. Je vais lire l'histoire et après, on va sûrement manger. Je continue à vous emmener avec nous. Préparation du dîner avec les petits spaghettis courts, comme ça, je trouve ça trop bon. On va mettre avec de la crème et du curry. On a du faux poulet pané. Et ça, c'est pour remplir les bouillottes. Elle glisse, maman. Oh non, elle est trop mignonne, regarde. Elle est mignonne. Ça goûte le savon à l'abricot. Bon, le yaourt à la rhubarbe. Mmh. C'est bon la rhubarbe. Mmh, miam, miam. Sœur, elle m'a dit, tu me ramènes un yaourt et il y en a un seul à la rhubarbe. J'ai dit, tu veux rhubarbe? Elle a dit oui. Après, c'était une blague. Et en fait, je l'ai ramené. En fait, elle aime pas la rhubarbe. Moi, je peux pas le manger parce que ça me fait vraiment littéralement dégueuler. Mais ça goûte le savon. Il y a que notre mère qui aime la rhubarbe. C'est délicieux, regarde. Mmh, encore une cuillère pour papa. Mmh, une cuillère pour maman. C'est filandreux la rhubarbe. Dans les petits verres. Je fais mes ongles parce qu'en fait, j'ai la flemme d'attendre de voir si je suis allergique. Donc, bah, on va faire ça et on verra bien. Regardez comme c'est kiki. Ça va être beau. J'espère.